Salut. Donc, je voudrais vous montrer le parfum, donne-moi tout. Bonsoir, bonsoir. Quand vous faites votre demande spirituelle, votre travail spirituel, tout ce que vous faites dans le spirituel, vous devez attacher la foi. J'ai beaucoup d'entre vous, vous allez prendre les produits, vous allez partir, rien ne va se passer. Et une autre personne va venir. Il y a des personnes qui arrivent, ils n'ont pas l'argent pour acheter tous les produits. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend un. Donc ça en particulier, c'est les donne-moi tout. Vous allez voir, ceux qui ont déjà acheté ça, on a mis tellement d'herbe dedans que c'est très très lourd. Donc le donne-moi tout s'utilise comment? Quand vous ouvrez, vous avez cette texture ici là. J'avais mon trépied ici, quelqu'un a pris ça. Le trépied très grand là. On va porter un autre type. Merci. Assise tout. Tu viens, je te donne accès à la vidéo, tu peux regarder. Je ne fais pas d'entretien pour te montrer comment utiliser le parfum de moi. Tout c'est quoi là? Le kit formation. Non, non, non. Et tu sais qu'ici chez moi, il y a les gens qui vont te montrer comment utiliser ça. Donc il ne faut même pas me dire que. Il ne faut même pas me tenter. Voilà. Un autre là-bas. Si, si, bon. Donc, quand tu prends ton parfum et tu veux l'utiliser, tu dois t'assurer. Moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que sa mère avait de la peine à utiliser ça devant son mari parce que on pouvait voir à travers. Et elle a peur que son mari demande que c'est quoi comme ça là. On fait ça avec au moins 50 herbes écorces. Il y a les écorces pour vous donner le commandement. Il y a les écorces pour vous donner l'attirance. Il y a les écorces pour faire que votre business marche. Il y a d'autres pour vous purifier. Plein, plein de choses. Alors je vais vous montrer la consistance de cette chose là. On fait ça dans des seaux comme ça avec plein, plein de choses. Donc quand tu touches ça, partez encore prendre vos donne-moi tout, vous regardez. Si vous regardez bien, quand vous déposez sans secouer, au fond de votre donne-moi tout, vous allez voir un dépôt. Donc, quand vous prenez pour utiliser, moi généralement, tu peux ouvrir. Maintenant, tu mets ça, tu mets sur ta main, juste un peu. Et si tu veux, il y a de l'alcool dedans, il y a tout. Ça pique beaucoup, donc évitez les yeux avec le parfum-ci. Quand tu mets, c'est tout un rituel. Donc, tu as le vapeur. Si le vaporisateur fonctionne, tu le mets ici. Tu mets sur le cou. Calculez beaucoup vos bras ici. Et là, je crois que vous avez dit ça depuis. Chaque fois que tu mets tes produits spirituels sur toi, prends beaucoup tes bras. Beaucoup. Et en mettant, tu dois avoir une intention derrière. Si vous faites le don le matin, si vous faites le lavage au sel, je vais m'appeler une dame aujourd'hui quand je faisais son lavage à distance et c'est tombé à l'heure où elle se lavait aussi au sel là-bas chez elle en France. Donc,
Tu mets ton donne-moi tout sur les mains. Là, maintenant, j'ai mis, je sens comment mon corps picote. Et chaque fois que tu te laves ou tu laves tes mains ou bien tu fais du feu, quand tu fais ces contacts-là, donc il y a des vidéos sur YouTube, si vous êtes abonné, je vous ai montré comment brûler. Quand tu brûles quelque chose ou bien tu prends l'eau, tu verses sur quelque chose, ou bien tu prends l'eau, tu verses au sol, on appelle ça une libation. Quand tu fais une libation ou bien tu brûles quelque chose, là tu es en train de faire une sorte d'offrande, a smelling. You know, a nice smelling aroma that goes to the heaven. Donc, tu dois, trésor, je ne veux pas acheter de bouteilles, tu as compris? Bonne vente de bouteilles. Voilà, je peux continuer maintenant, non? Tu dois savoir qu'à ce moment, tu es en train de faire une connexion. Et c'est un portail que tu ouvres. Ne vous lavez plus par hasard. Donc, quand tu pars à la douche, ça avait intention. Ce n'est pas genre, oh, je suis arrêté au boulot. Non, non, non. J'ai pour intention de me connecter. Et je vous ai montré, il y a les selles ici. Regardez. Par exemple, vous voyez, donc là c'est mon power bank. Donc, ça c'est les nouveaux selles qu'on est en train de façonner pour vous. Donc, si on les mélange, vous voyez un peu ce que ça donne. Et dans le spirituel, chaque spectre a sa puissance. Donc, quand tu prends celle-ci, ça c'est un type de sel qu'on a déjà créé. Donc, quand vous commandez, vous pouvez demander le sel arc-en-ciel. Donc, chaque spectre, donc quand tu prends comme ça, le rouge active quelque chose en toi, la purification. Le jaune, la puissance. Le rose, l'attirance. Donc, vous voyez, chaque spectre a son utilisation. Ce qui fait que quand tu prends l'eau aussi, tu verses sur toi, Seigneur Jésus, et tu lis ton psaume 23, psaume 91, tu lis 35. Tous tes ennemis là, les choses qu'ils ont déposées sur toi, dans ton corps, tu déclares que tu réactives ta beauté. Tu restaures, tu te sanctifies. Voilà. On sait que dans notre laboratoire, on crée des produits chaque jour. Donc, voilà le sel arc-en-ciel. À chaque fois que tu le prends comme ça, tu as ce mélange. Vous voyez, purification, attirance, puissance. Ça aussi, c'est attraction. Ça peut être de l'attraction. Ça dépend de ce qu'on a chargé là-dedans. Tu mets ça dans ton eau, tu fais ta prière, tu lis tes psaumes. Je sais que c'est assez fatigant pour certaines personnes, mais ceux qui font ce que je dis, vous voyez les résultats dans votre vie. Vous voyez. Parce que Joseph avait un quoi? Il avait un code de plusieurs couleurs. Son père lui avait donné plusieurs couleurs, donc son père avait activé ses couleurs, sa faveur. Viens, assiste-toi, on va te donner le sel arc-en-ciel. Il avait activé ses couleurs. C'est pour ça qu'on avait jalousie, on était jalouse de Joseph. Mais partout où il partait, il avait la faveur. Le spirituel. Il y a les jours où tu portes les couleurs d'habit, non? Tu portes un habit rouge comme ça. Moi la couleur rouge là. Quand il porte le rouge, là, on va me draguer le jour là jusqu'à c'est moi qui vais fuir les hommes. Couleur rouge là. Habit rouge à lèvres rouge. Ah, la bombe. Non, il y a les couleurs dans le spirituel. Par contre, il y a les couleurs comme le vert peut-être. Quand moi, je mets le vert là, pardon. Le sel en poste, Douala, Yaoundé, Garoua, partout. Gabon aussi. Les gens qui sont au Gabon, Côte d'Ivoire, tous les pays là. En France, on poste aussi chez vous. On a des représentants aussi. Leur numéro est en haut de cette vidéo aussi. Les couleurs dans le spirituel comptent. Il y a les couleurs quand tu mets sur ton mur. Parfois tu es de mauvaise humeur. Parfois tu es de bonne humeur. Il y a les maisons quand tu rentres, tu ne sais pas pourquoi, mais la couleur, ça t'égaye. Et vous ne savez pas, ça vous habille n'importe comment. Il y a même les couleurs que tu portes sur toi quand tu fais un travail spirituel, ça marche. Donc, ne pas. On est illettré. Donc, tu vois, au Cameroun, on ne forme pas généralement les enfants. Tu vois un jeune grandir comme ça, aussi la mort, ça bêtement, bêtement. Le sel, il y a pour 3 000, il y a pour 4 000, il y a pour 5 000.
et vous devez charger ça avec une intention. J'ai fait plein de lavage aujourd'hui. Donc, le prochain jour de lavage, c'est lundi. Mais envoyez déjà vos photos, intention et paiement. 693, ça c'est, ça c'est le numéro pour les lavages seulement. Larissa, appelle le numéro qui est en haut. Là, on va te dire comment arriver. Tu as compris? Si tu ne décoches pas le téléphone, là, tu te laves encore au sel. Tu as compris? Apprenez. Je suis consciente que je ne pourrais pas conseiller tous. C'est pour ça que je vous donne les astuces sur les produits que je fais. Et vous-même, vous prenez. Donc, je vous ai montré les sels. Je les montre à nouveau. Voilà le sel rouge. Pour te purifier. Rose. Attirance. On reste à ton pouvoir ici. Donne-moi un peu une assiette blanche. Je vais mettre ça dans l'eau. Ils vont voir un peu comment ça fait. Bissa, Abeng, tu n'as pas l'argent, pardon. Il me dit que le lavage coûte combien là? Moi, il vous connaît. Les gens qui n'ont pas l'argent, quand ils n'ont pas l'argent, ils demandent d'abord à l'avance que c'est combien. Bon, vous allez voir la couleur rouge, comment ça va faire. Regardez, sang de Jésus. Vous voyez? Tu dois te laver avec ça jusqu'à tes pieds deviennent même rouges. Et là, donne-moi encore une autre assiette. Rose, l'attirance, l'amour. Donne-moi l'autre. Arrête d'économiser l'eau. Va en l'eau là-bas. Va en prendre l'eau là-bas des hits. Vraiment, t'as pas si là. Osa. Tu pars où? Tu vas pisser? Tu vas pisser? Tu viens chez moi pisser? Non, ouais. Yay! Pas alors, va à la toilette là-bas, non? Yeah, les gens, c'est là. Elle est à mon direct avec les pipis. Voilà pour la puissance. Le bleu, parfois, il brise, c'est pour briser les liens maléfiques. Et aussi des instances où ça, c'est aussi pour l'attirance. Maintenant, prends le rouge et tu verses là-dedans. Là, on a déjà formé un traitement. Verse le rouge, le jaune, pardon, le jaune. Vous allez voir comment le sang de Jésus est fort. Verse l'autre là. Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine? Le rouge, non? Voilà. Maintenant, quand tu fais ça, tu charges ça d'intention. Tu restaures tes finances. Si, j'ai tellement de témoignages. Les femmes que leur mari était parti, elles se lavent avec le sel deux fois. Le mari revient. Voilà ça. Les gens qu'on voulait les renvoyer du boulot, elles se lavent avec le sel deux fois. On la rappelle au boulot. Vous aimez savoir que les gens ont pris pour vous. Donc, ceux qui n'ont pas l'argent du lavage à distance, voilà le sel. Lavez-vous avec. Donc voilà les sels ici. Bon. J'espère que vous vous rappelez comment je vous ai montré l'utilisation. Bloc là-bas derrière, s'il vous plaît. Merci. Bon. Et donne-moi tout, je vous ai montré l'utilisation. Donc ça, j'espère que vous savez. Tu mets là, ici. Là. Ok. Tu dois avoir ce que tu demandes. Tu as pris les selles lundi. Sang de Jésus attirant ce succès amour. Le sang de Jésus domine toujours. Hein. Ok. C'est ça. Mettez beaucoup sur vous ici là. Le coup. Vous comprenez, non? Voilà. Ok, c'est tout, hein?
Les dons, moi, tous sont disponibles. Tu dois avoir ton nom, moi, tout chez toi. Et tu charges ça de prière. N'attendez pas que je prie pour vous. Il y a un qui vient ici pour le lavage. Oh, je veux la santé, la restauration, la prospérité. Dis que c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Voilà. Bon, j'ai terminé avec les gens. Bon, ils sont disponibles. Il y a le goût de ton lavage aujourd'hui. J'ai effectivement parlé de toi. Que quand j'étais appelé, toi, tu étais en train de faire ton lavage et j'allais faire ton lavage ici. Il y a une autre dame l'autre jour, je veux faire son lavage à distance. Quand elle appelle, elle est dans la salle où on va de la nationalité. Et elle me dit qu'on va l'appeler dans la salle bientôt. Que je ne peux pas parler, je ne peux pas parler. Je dis d'accord. Comme tu entres dans la salle là comme ça, on va te donner ta nationalité. 15 minutes plus tard, elle appelle. Elle dit oh, on m'a déjà donné. Enfin, oh, je peux aller travailler, je peux sortir de la maison si. La maison de l'homme si. Pardon, ferme, voilà le couvercle. Il y a beaucoup de blocages que vous avez. Parce que vous vous lavez tous les jours avec le savon. Tu sais que Dove, c'est qui? Comme tu te laves avec Dove tous les jours là, Dove, c'est qui? Tu sais que Dove va parler quoi sur le savon là avant que tu te laves avec? Bruno, ne te dérange pas. Tu es pauvre, tu mourras pauvre. Tu as compris, non? Dove, c'est qui? Voilà. Nivea, c'est qui? Et le truc, c'est que on a tellement banalisé les choses spirituelles qui aident. Qu'aujourd'hui, il y a les femmes qui me disent que leurs enfants de 10 ans, l'enfant se lève, il se lave, il prie sur son bain lui-même. Il prie sur son bain lui-même. Il parle, il prend son sel, il lance dans l'eau, il parle. C'est les choses qu'on ne vous avait pas montrées quand vous grandissiez. Le lavage, c'est 150 euros. Comme je dis que c'est 50 euros là. Les pauvres, là, il n'y avait pas les pauvres sur ma page. Oh. Tu as compris, Christelle? Parce que vous connaissez. Vous avez venu commencer à dire, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas les pauvres ici, là. C'est pour ça que je vous montre, vous partez vous-même faire. Ceux qui ont l'argent vont venir me payer, ils ne vont même pas discuter. Voilà. Bonne soirée.